Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Bon, eh oh, les racistes, il va falloir vous calmer. Ça va faire plus de un mois que vous vous êtes déchaînés comme des chiens de garde tous les jours à aboyer, sans boire ni manger. Ouais, rentrez chez vous. Les Noirs et les Arabes, dehors. Arrêtez de profiter de la cave, bordel de merde. On vous a vu. Profitez de votre liberté conditionnelle, hein, pendant les élections, les législatives et les européennes. Maintenant, on rentre à la niche. Tu connais la promenade des Anglais à Nice? Ben là, on a vu la promenade des racistes et c'était pas que à Nice, c'était dans toute la France. Oh là là, la promenade du « je suis raciste et je t'emmerde ». Je tiens à vous dire, messieurs, dames, les racistes, que votre forfait 5G Raciste Gold est totalement terminé. Si vous croyez que c'était illimité ou quoi, hein, vous allez pouvoir le renouveler qu'en 2027. Ben oui, là, regarde, hein, on a vu le joueur de rugby là, de l'équipe de France, Melvin Djaminet, il a complètement pété un plomb. Oh là là, lui, il a libéré sa parole au mauvais moment. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que s'il croise un arabe dans la rue, il va lui mettre un coup de casque. Hein? Il a posté ça juste après les résultats. C'est ça qui l'a poussé à la faute. Eh ouais, hein? Il a fait une passe en avant alors que dans le rugby c'est interdit. C'est que des passes en arrière. Le mec il s'est dit, bon, on est dimanche, une petite story raciste, ça passe. À 22h, personne ne va la voir. 22h10, la Fédération Française de Rugby l'a virée de l'équipe de France. Tu te rends compte? Efficacité absolument incroyable. Un dimanche, hein, en dehors de leurs heures de travail, ils ont fait des heures sup simplement pour virer un raciste. Mais c'est eux qui devraient gérer la justice de la France, hein? C'est eux qui devraient se mettre sur le dossier de Pierre Palmade et Gérard Depardieu. Ça irait trop vite, là. Mais là, je tiens à dire que j'ai vu trop de gens danser, là, ces derniers jours. Qu'est-ce qui a fêté? Le Rassemblement National n'a pas complètement perdu. En 2017, ils avaient 8 sièges. Là, aujourd'hui, ils en ont 143. Ce qui veut dire que si demain, Marine Le Pen et Éric Zemmour ils font la paix, Éric Zemmour pourrait devenir député. Et il pourrait demander à ce qu'on change tous de prénom. Ce qui veut dire que là, on va avoir maintenant des musulmans qui vont venir nous expliquer qu'ils sont transmusulmans maintenant parce qu'ils s'appellent Daniel, mais qu'à l'intérieur, c'est Moussa. Ça va être la débandade. Donc, je tiens à vous dire, les Ousmane, les Mustapha, les Karim, les Mamadou et compagnie, là, profitez, hein, parce que bientôt, ce qui vous attend, c'est Romain, Jules, Maxime, Alexandre, hein, Hippolyte, oh là là.